Oui. Bon, j'arrive, patron. Quoi? À la une? Mais pourquoi pas en spécial? Écoute, dis-lui qu'il renvoie son papier, hein, et qu'il soit plus sérieux. Sans ça, moi, j'envoie la semaine de Suzette. Ah! Janson, j'ai une bonne histoire pour vous. Vous allez partir en Corse. Voilà. Je veux que vous me rapportiez un papier objectif et sans fioritures, sur ce que j'appellerais, moi, la culture des travers de chemin de fer. Et ce qu'on pourrait appeler aussi la traviculture. Votre air étonné m'oblige à vous mettre, c'est le mot, sur la voie. D'après les renseignements que j'ai sous les yeux, l'approvisionnement en traverse a posé pour la SNCF depuis la guerre un problème difficile. Le reportage que je vous propose a pour but de mettre en valeur l'effort considérable qu'elle a entrepris en Corse depuis 1947 pour augmenter la production de traverses et faire face ainsi à la grave pénurie résultant des destructions de guerre. Des prélèvements allemands, de l'arriéré d'entretien consécutif aux hostilités, un déficit de plus de 20 millions de traverses. Vous entendez, Janson? 20 millions. Mais oui, j'entends bien, patron. Et je commence à comprendre où vous voulez en venir avec votre histoire de traverse. Les forêts corses, hein? Exactement, mon vieux. Il paraît que là-bas, les exploitations forestières de la SNCF sont une organisation remarquable. Il est urgent d'aller les visiter, car elles sont sur le point de se terminer. Alors, allez-y, voyez ça, et pas de baratin, du vrai, hein? Et si ça marche, c'est la première page. Ça colle pas? Oh bon, ça va, patron. J'ai compris. Tenez. Voilà des documents qui vous aideront au point de vue de... Et c'est ainsi que 48 heures après, au lever du jour, les côtes de la Corse m'apparurent. Baignées, comme il se doit pour un pays si rempli de légendes, par une mer couleur de plomb. Et éclairées des rayons obliques du soleil, fendant violemment de leurs lames de lumière, les lourds nuages d'un ciel tourmenté, pour aller s'émousser en taches claires, sur les rochers de cette côte parsemée d'îles, dont le nom ajoute encore à sa cruelle beauté, les sanguinaires. Devant ce décor, digne du plus pur drame wagnérien, toute une bouffée de l'histoire tourmentée de cette île me vint à l'esprit. Je me plus à évoquer ces sites sauvages. Baies où se reflètent les falaises de rouge porphyre, mondes où déferlent en nappes vertes d'immenses forêts profondes peuplées d'arbres aux essences diverses. Entassements de rocs et sommets arides dominant d'impressionnants défilés s'enfonçant entre de hautes murailles rocheuses, comme pour aboutir aux portes de l'enfer. Et tout ce qui fut en de lointains siècles témoin de la convoitise de tous les peuples de la Méditerranée. Quirnos, l'île aux forêts, fut le premier nom de la Corse. Elle subit à cette époque, qui se perd dans la nuit des temps, diverses influences. Des Phocéens, des Phéniciens, des Carthaginois vinrent se disputer son sol. Les Romains arrivèrent ensuite pour coloniser les insulaires. 100 ans leur furent nécessaires pour arriver à leur fin. C'est seulement plus tard, après d'autres et multiples invasions, que l'on commence à repérer une date précise de son histoire. En 1077, des Italiens, les Pisans, s'installèrent dans l'île, puis les Génois à partir de 1347. Ils laissèrent de nombreux témoignages de leur architecture que 6 siècles n'ont pas réussi à faire disparaître. Enfin, en 1768, fatigués par les incessantes rébellions des Corses, les Génois vendirent à Louis XV l'île qui définitivement devint française, malgré une courte invasion anglaise qui échoua 20 ans plus tard. Tout à l'image de leur pays, les Corses ont l'aspect rude, comme la nature qui les environne.
avec cependant dans le regard cette pointe de nostalgie qui donne à leur lamento quelque chose d'indéfinissablement poignant. Respectueux des traditions qui pour eux prennent une forme de sacerdoce, ils sont profondément attachés au sol natal et à leur petite patrie, la Corse. Forêt et mystérieux maquis, chandonneurs de sanglantes querelles de famille. Riche sépulture ou modeste croix de pierre isolée dans la campagne. Village et ville, incroyablement accrochés au flanc de la montagne ou perchés sur quelques hauts promontoires, dominant les vertes vallées qui descendent doucement vers la mer. En pensant à tout cela, au seuil de ce pays baigné de lumière ou balayé du vent des tempêtes, toutes ces images se succédaient à mon imagination. Et je ne me lassais pas d'évoquer encore tout le pittoresque des paysages, des cités, et des ports de ce rocher dont l'histoire ne fut qu'une suite d'extraordinaires aventures. La sirène du bateau me sortit de mon rêve, et la transition avec la réalité fut douce, puisque nous étions en vue d'Ajaccio. Capitale de l'île, Ajaccio fut fondée, dit-on, par Ajax, le héros de la guerre de Troie. Mais pour les Corses, c'est désormais la ville vénérée, car c'est entre les murs d'une de ces modestes maisons que naquit, l'année même où leur pays devenait français, Napoléon Bonaparte. Ainsi, voilà dans ses grandes lignes l'histoire de cette terre qui, lors de la dernière guerre, connut encore l'invasion et sur laquelle je venais de débarquer pour y exercer mes talents de reporter. C'est donc avec un certain enthousiasme, mêlé de la joie puérile du potache en vacances, que je pris vers le sud la direction de Propriano, petit port de la côte occidentale, siège de l'exploitation forestière que j'allais visiter. Après un court voyage par la route interminablement sinueuse, j'arrivais bientôt à destination. À la descente du car qui m'avait amené dans la petite cité noyée de soleil, j'avisai un vieil originaire du pays qui se faisait véhiculer dans un vétuste équipage et lorsque je l'arrêtais pour lui demander mon chemin, j'eus l'impression d'interrompre sa sieste. Enfin, j'arrivais à la direction de la régie de l'exploitation forestière de la SNCF, m'enfonçant résolument dans une brume de poussière dorée, digne des meilleurs westerns américains. Accueil cordial du directeur et du représentant de la SNCF. Présentation rapide. Explication du but de ma visite. Penché sur une carte, je commençais à m'instruire des éléments de mon reportage en écoutant le directeur.
Mon cher monsieur, me dit-il, nos divers chantiers d'abattage, situés dans la partie centrale de la Corse, couvrent une superficie d'environ 12 000 hectares, à peu près la moitié de Paris. Ce pays possède une inestimable richesse, ses forêts. Celles de Val d'Oniello et d'Aitone, autour du col du Vergio, un des plus élevés du territoire, celles de Tartagine, de Vizzavona et d'autres encore. On y rencontre le pin maritime et sylvestre et le magnifique Laricio, des châtaigniers touffus, le chêne vert et l'eucalyptus. Mais c'est surtout le hêtre qui présente un intérêt pour la fabrication des traverses de chemin de fer. On le trouve en assez grande abondance sur les cimes boisées qui s'étendent entre le col de Verde, près du Monte Renoso, à 2357 mètres, et le col de la Vacchia, au sud-ouest de l'Incudine, 2136 mètres, deux des plus hauts sommets de l'épine dorsale corse. Mais l'exploitation en montagne soulève de grosses difficultés. L'accès des coupes n'est pas facile. Pas de chemin, quelques sentiers muletiers à peine tracés, abrupts et malaisés, serpentant sur les hautes futaies ou à travers d'arides plateaux. Ah, à ce propos, je dois vous prévenir que vous aurez à subir un voyage de plusieurs heures à dos de mulet dans cette contrée que nous allons visiter. Je certifiais sur le champ que ce mode de transport m'était familier, ce que je faisais d'ailleurs sans grande conviction personnelle. Enfin, tant pis, le sort en est jeté. Au lendemain de mon arrivée, mes hôtes me conduisirent à Zicavo, village situé à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Propriano, où se tient le PC de l'exploitation en haute montagne. Il ne faut évidemment pas être un novice pour se permettre de conduire sur les routes corses qui n'ont rien de l'autostrade. Et ce n'est pas sans quelque appréhension que l'on voit tout à coup dans un virage surgir devant soi le nez d'un camion. Et la route n'est vraiment pas large. Après un voyage sans incident, nous arrivâmes en vue le Zicavo, bâti en étage au flanc de la montagne, le long de la vallée du Tarave. Quelques heures plus tard, nous reprenions la route. Oh, pas pour longtemps, car ayant changé le mode de transport, je me rendis vite compte qu'il ne s'agissait plus pour moi de me faire véhiculer en touriste, mais que j'étais pour quelque chose dans la direction et la stabilité de ma monture. Et c'est avec une petite pointe d'émotion et en serrant les genoux que je vis notre petit groupe s'engager à l'assaut d'un raidillon rocailleux. Cavaliers accomplis, mes compagnons caracolaient joyeusement sur un plateau aride, et moi, au pas lent de ma mule, qui ce jour-là n'avait pas envie de se détendre, ça valait peut-être mieux d'ailleurs, je me vis bientôt distancé par la caravane. Perdu. J'étais perdu et planté là, solitaire, au beau milieu de cette nature que je commençais à ne plus trouver à mon goût.
jugeant la pose terminée, et se souciant peu de mon infortune, ma monture soudainement se mit en marche, et je pris immédiatement le parti de la suivre, pensant que son instinct me remettrait sur le bon chemin. Bien m'en pris, car quelques instants plus tard, nous faisions, l'un suivant l'autre, une arrivée très remarquée au camp de haute montagne, terme de notre équipée. Remis de mes émotions, j'allais entrer maintenant dans le vif de mon sujet, en assistant à l'opération préliminaire de toute exploitation forestière, le martelage. Les bois à abattre sont désignés par l'administration des eaux et forêts au moyen d'une marque spéciale frappée sur le tronc et sur la souche. Cette dernière restant la preuve de l'autorisation d'abattage. La parole maintenant, si j'ose dire, est à la cognée, et je me tairai enfin pour me souvenir encore de ces coups secs et rythmés qui coupent la vie. Ainsi meurent, dans une dernière plainte et un éclaboussement de feuilles qui scintillent au soleil, les arbres condamnés, lançant aux échos de la forêt le bruit sonore de leur chute. Après avoir été ébranchés, essiés en tronçons les rendant propres au transport, les arbres ainsi débités sont cubés et frappés de la date et des initiales SNCF. Au feu ! Ce cri, le plus redouté des travailleurs de la forêt, vient de retentir. En effet, une fumée s'échappe d'une forêt voisine. Pas un instant à perdre. Immédiatement, tous s'arrêtent sur les chantiers et tous se rendent sur les lieux du sinistre combattre leur pire ennemi, le feu. Il faut, coûte que coûte, barrer la route au fléau qui s'étend avec rapidité et menace les installations de notre exploitation. Thank you.
Après plusieurs heures d'efforts, tout danger grave paraît écarté. Il était temps. Déjà quelques flammes avaient léché les constructions légères des téléphériques servant au transport des grumes. On a eu chaud, c'est le cas de le dire, car aucun n'a ménagé sa peine ni son courage. Mais malgré cela, le terrible feu a eu le temps de faire des ravages. Tout danger définitivement écarté, le travail reprend. Au moment de la tragique diversion de l'incendie, je m'apprêtais à assister au débuscage, qui consiste à dégager les troncs. Et c'est à partir de ce moment que commence la particularité la plus rude de l'exploitation en montagne, le transport, car de nombreuses manipulations seront nécessaires avant d'atteindre la scierie. Quant aux modes de traction, ils sont des plus divers et des plus surprenants pour un profane. Des bœufs graves et lents, qui font penser à quelque histoire de roi fainéant, traînent sans hâte la grume sur la piste accidentée. Plus loin, des mulets nerveux aux pieds sûrs sont employés et font joyeusement tinter leur sonnaille dans les sous-bois. Irrésistiblement tirés par le câble d'un tracteur Caterpillar, ces troncs sont dégagés sans autre intervention humaine. Ces puissants engins se faufilent, hésitent, pivotent, se dressent sur les obstacles du chaotique parcours et leurs conducteurs doivent souvent faire preuve de réelles qualités acrobatiques. Les nombreuses difficultés d'accès et d'approvisionnement de cette région ont créé l'obligation de tout amener sur place afin de pourvoir à la subsistance et aux besoins des travailleurs de la forêt. Pendant de longs mois, rares sont ceux qui quitteront les lieux de leurs occupations. Aussi, dans ces modestes cabanes, tout est prévu pour la nourriture et le délassement nécessaire à la rude existence des bûcherons. Afin de ne pas faire perdre de temps aux équipes dont le lieu de travail est assez éloigné du camp, le cuistot va porter les repas sur place. Tels les membres d'un état-major étudiant un plan de campagne, mes hôtes et le directeur de l'exploitation m'instruisent maintenant sur l'opération qu'ils appellent le téléferrage.
Installés en divers points stratégiques de l'exploitation, des téléphériques descendent les grumes sur les points de chargement, d'où elles seront acheminées par camion vers les scieries. Avec leur réseau de lignes principales et secondaires, pénétrant le plus loin possible dans les coupes, ils couvrent au total une distance impressionnante de 90 km, ce qui représente l'utilisation de 360 km de câbles porteurs et tracteurs. Ils desservent 11 stations bases de chargement. Ceuti, Catrespello, Vallemala, Tortopiccolo sont leurs noms les plus pittoresques. Tout comme les pistes et l'aménagement des camps, la construction de ces téléphériques fut réalisée par les services de la régie. Tout était à faire et tout a été fait avec des moyens de fortune. Et je restais admiratif devant l'effort courageux dépensé pour frayer un passage dans cette forêt presque vierge à ses câbles soutenus par de robustes pylônes et devant toutes ces installations rustiques indispensables à la vie de l'exploitation. À l'issue de cette conférence en plein air, mes compagnons décidèrent de m'initier au principe du téléferrage des bois et de me montrer en particulier le travail du câble 2 qui, avec ses 26 km franchissant monts et vallées, achemine les grumes vers les stations basses. En général, ces téléphériques travaillent par gravité, les grumes étant entraînées par leur propre poids. Dans certains cas, lorsqu'il s'agit de franchir une contrepente, un moteur est nécessaire. C'est grâce à ces dispositifs que l'on fait franchir au bois des dénivellations de l'ordre de 5 à 600 mètres et effectuer des passages dans le vide à plus de 300 mètres au-dessus des vallées. Installée sur un plateau, terminus de trois câbles descendant de la montagne, une station intermédiaire faisant office de gare régulatrice reçoit les grumes qui, de là, seront dirigées en un dernier voyage aérien vers la station basse de chargement. Ayant émis la prétention de suivre la grume durant sa course dans l'espace, afin de parfaire mon reportage, n'est-ce pas, on me fit comprendre, aimablement mais énergiquement, que ceci n'était pas une installation touristique et que ce moyen de transport était uniquement réservé aux seules billes de bois. Accompagné du chef de l'exploitation, je dus donc me contenter de mes jambes. «
Après plusieurs heures de marche en suivant, autant que faire se pouvait, le trajet du câble 2, nous arrivâmes au chargeoir de la station basse. 180 à 200 tonnes de bois sont ainsi descendues chaque jour par les différents téléphériques, principaux et secondaires, grâce aux efforts, à l'esprit d'organisation et aussi à la résistance physique à toute épreuve de tous. Rapidement, les grumes sont libérées de leurs chariots porteurs et précipitées sur le chantier, où une grue les prendra pour les déposer sur camion. Par un ingénieux système de rails semi-circulaires, les chariots porteurs sont renvoyés vers la montée sur le câble de retour. La situation de certains chargeoirs interdit les installations aussi complètes, telles celui du col de Verde, qui, s'il a l'avantage d'être à proximité d'un chantier d'abattage en pleine forêt, ne permet pas d'amener de gros matériel. C'est à la sapille et à bras qu'il faut charger. De plus, un seul camion à la fois peut accéder à la plateforme, construite avec des éléments de fortune pris sur place. Et puis voici le transport, car lorsque le camion est chargé, un rude chemin reste encore à parcourir. L'unique route accédant à Verde est suffisamment étroite pour rendre les croisements entre camions des plus acrobatiques, comme j'allais plus loin pouvoir m'en rendre compte. La diversité des points d'exploitation et le relief de ce pays ne permettant pas l'installation de scierie en forêt, il fut décidé de construire celle-ci au port d'embarquement situé à Propriano, à plus de 65 km de Zigao. Ah, voilà le moment difficile. Là, ça y est. Une soixantaine de kilomètres, disais-je. Oh mon Dieu, une petite heure, répondra l'automobiliste non averti des routes corses. Ouais, eh ben faites comme moi. J'avais déjà l'expérience de mon voyage d'aller, mais celui que j'entreprenais maintenant, à bord d'un camion chargé de 8 tonnes de bois sur une route, si l'on peut dire, à peine plus large que le véhicule, m'édifia définitivement sur les qualités que doivent posséder les conducteurs et sur la robustesse du matériel. Et puis songez donc, 500 virages à absorber pendant les 3 heures que dure le trajet. Aussi, possédant un instinct de conservation assez prononcé, je me contentais de regarder sans trop importuner par d'insidieuses questions mon chauffeur, que je voyais manœuvrant constamment le volant, les yeux rivés à la route, malgré sa très grande habitude du parcours. Venant des différents chargeoirs échelonnés sur le bord de la route, il arrive que les camions forment parfois un petit convoi qui vient troubler la tranquillité d'un troupeau de chevaux paissant librement sur les hauteurs du col de la Vaque. Voici sur l'autre versant du col. Belle descente enlacée d'une dizaine de kilomètres dans une nature aride et désertique, peuplée de chèvres, prospectant inlassablement le terrain en vue de quelques nourritures, toutes problématiques. Malheur au couvre-chef d'un touriste coiffé de paille qui s'endormirait dans ce site sauvage. Enfin, nous retrouvons Propriano. Au fond du golfe de Valinco, à proximité du petit port, s'étendent les scieries et le parc de stockage de l'exploitation.
Notre petit convoi arrive sur l'aire de déchargement des scieries, où les camions vont être rapidement vidés de leur fardeau. Aussitôt libérés de leur charge, chauffeurs et camions, après s'être l'un et l'autre ravitaillés, vont reprendre le chemin de la montagne. Un atelier de réparation, entièrement construit par les soins de la régie, pourvoit soigneusement au remplacement des pièces usées ou cassées, à la fourniture des pneus spéciaux Michelin métalliques, qui équipent les roues des quelques 20 camions utilisés. Tout ceci afin de ne point interrompre le rythme de l'immense chaîne sans fin, qui, comme une noria, tourne inlassablement. On a dû aussi, pour écarter tout danger d'accident grave, prévoir deux itinéraires sur la plus grande partie du parcours, l'un montant pour les camions vides, l'autre descendant pour les véhicules chargés. Il y a vraiment des endroits qui justifient cette précaution. L'entraide est nécessaire en cas d'ennui technique, car chacun sait que si aujourd'hui tout va bien pour soi, de quoi demain sera-t-il fait ? Cependant que se continue la ronde bruyante des camions alimentant constamment l'appétit vorace du chantier de sciage, sur celui-ci, les grumes déchargées sont aussitôt débitées à la scie portative électrique à la longueur convenable de 2,60 m pour la fabrication des traverses. Conduit par le directeur de l'exploitation qui confia mon inexpérience à la compétence du chef d'atelier, j'allais ainsi assister à la naissance d'un des éléments essentiels à la vie du chemin de fer, la traverse en bois. Comme je m'étonnais que l'on pût faire avec ce billon difforme quelque chose de droit, on me fit voir que l'adresse de l'ouvrier consiste à faire, en 4 coups de scie et avec le minimum de pertes, une traverse de bon aspect. Mordant le bois et crachant la sûre pendant près de 17 heures par jour, les scies doivent subir de fréquents affûtages. Aussi a-t-on installé à proximité un atelier pour la rénovation de leurs dents fatiguées. Quatre allers-retours et parmi 100 000 autres, une traverse va naître. Hop,
Et voilà, ça n'est pas plus difficile que ça. Oui, peut-être, mais essayez donc d'en faire autant. Quant à moi, j'ai pas osé. Un contrôleur de la SNCF reconnaît les traverses, les classe par choix. Ainsi, plus de 1000 unités sortent chaque jour des 7 bancs de sillage mécanique de Propriano. Premier contact avec le rail, dont elles seront bientôt les inséparables compagnes, les traverses sont dirigées vers le parc de stockage, où elles vont une dernière fois s'exposer au soleil qui les a vues naître. En attendant l'embarquement qui les conduira sur le continent, elles sont soigneusement empilées et resteront ainsi quelques mois afin d'être parfaitement asséchées de leur sève. Rien n'est perdu. Les sous-produits et déchets sont stockés eux aussi. Et si les uns fournissent, après carbonisation, un excellent charbon de bois, les autres serviront à faire de solides planches ou des lames de parquet. Et maintenant, comme tout a une fin, il faut parler du départ. Accostés au quai du petit port, deux cargos sont en cours de chargement. 4 ou 5 fois par mois, ils viennent prendre leur cargaison de traverse pour les emmener vers le continent. Rangés avec soin dans la cale des petits bateaux, plusieurs milliers de traverses y trouvent place. Quittant pour toujours le pays qui les a vus naître, les grandes forêts où elles furent bercées par les vents, elles vont maintenant, suivant leur destinée, constituer avec le rail les grands chemins de traverse que sont les lignes de chemin de fer. Il n'est pas de bons amis qui ne se quittent, dit-on souvent. Une dernière poignée de main, et j'embarquais à bord de l'Olga, ayant tenu à accompagner pendant son dernier grand voyage le principal sujet de mon reportage, les traverses de chemin de fer. Dans le soir qui tombait, je me plus à imaginer deux hommes qui, dans un geste de la main, diraient adieu au petit bateau en portant dans ses flancs le fruit de toute une organisation faite de la patience, du courage et de la ténacité de tous.